povijest, bremenita, teška, natopljena krvlju. Kažu nam učiteljica života. Strasbourg, grad na Rajni, granica, mjesto krvavih sukoba i prvo mjesto susreta francuske i njemačke kulture. Na pobjedi nad nacizmom, fašizmom, na ideji mira, slobode, jednakosti i otvorenosti izgrađena je Europa. Europa danas pod paljbom i iskušenjima svoje slobode, jednakosti i otvorenosti. Čuju li se dovoljno trube za uzbunu? Beautiful cathedral city, birthplace of France's national anthem, has suffered considerable damage. From across the Rhine, the Germans are still sending over shells. Kotač povijesti Strasbourg je vratio na stranu pobjednika. U Ujedinjenoj Europi postao je jednim od europskih glavnih gradova, institucija, uz Brisel, Luksemburg i Frankfurt. La communauté possède un parlement. C'est l'assemblée commune qui tient ses assises à Strasbourg. Sjedište je Europskog parlamenta, po svojim predispozicijama kažu lijepo mjesto za život. J'adore, j'aime beaucoup cette ville. Moi, je suis née ici. J'ai fait mes études à Paris, mais je suis revenue vivre à Strasbourg. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut tout faire à vélo. Je fais tout à vélo, c'est très pratique. On n'a pas beaucoup de temps de trajet, c'est très facilité pour les vélos. Ça, j'aime beaucoup. Il fait très chaud l'été, il fait froid l'hiver. On a vraiment toutes les saisons. On a un joli printemps avec les arbres en fleurs, on a une belle cathédrale, des belles maisons à colombages. Il y a du tourisme, c'est une ville étudiante. Il y a beaucoup de choses culturelles, on peut voir beaucoup de spectacles, des concerts, de musique, il y a des festivals. Voilà, c'est vraiment une ville que j'aime. Je ne suis pas très d'accord avec la politique française, avec ce que fait la politique en France. Donc je préfère rester à distance et être plus engagée dans ma ville. Maintenant, on a une maire qui est écologique à Strasbourg. Donc on va voir ce qui va se passer sur la suite, mais je ne suis pas très engagée. Gradonačelnica govori za budućnost Europe, o Europi samoj, građanskoj participaciji i europskom Strasbourgu. Alors pour vous personnellement, c'est quoi l'Europe? Pour moi, l'Europe, d'abord, c'est très associé à mon parcours personnel et professionnel. J'ai fait des études franco-allemandes. Je me suis installée à Strasbourg il y a plus de 20 ans pour sa dimension européenne. J'ai travaillé pour des projets européens pendant plusieurs années et je suis maintenant maire de Strasbourg, capitale européenne. Donc, je me suis toujours sentie européenne dans l'ensemble de mon parcours et je suis heureuse de pouvoir le porter aujourd'hui en tant que maire de Strasbourg. Vous avez dit que vous avez deux diplômes de l'Université Schumann de Strasbourg, alors de droit franco-allemand et de droit de l'environnement. Alors pour l'Europe de demain, dans quelle mesure est-il important pour nous tous de relier la connaissance de notre passé et l'idée de l'Europe en tant que projet de paix à l'importance de l'état de droit et de la transformation de l'économie climatique? C'est une question vraiment intéressante et importante pour Strasbourg, parce que Strasbourg
est une ville qui symbolise à la fois l'histoire de la construction européenne après la Seconde Guerre mondiale. C'est cette ville et cette région qui a été déchirée par la guerre et qui se réconcilie autour du projet européen. Donc, c'est un symbole très fort de paix et de réconciliation. Et donc, c'est ce qui fait que Strasbourg symbolise pour moi, j'allais dire, l'histoire de la construction européenne, mais je souhaite aussi qu'on ne soit pas seulement un symbole du passé, mais aussi un symbole de l'avenir. Et donc, c'est important pour moi que Strasbourg, qui est aussi le siège du Parlement européen, de la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil de l'Europe, continue d'incarner les valeurs vivantes de l'Europe autour de la démocratie, des libertés fondamentales, de l'état de droit, bien sûr, toute cette question des droits humains, de la lutte contre les discriminations, et qu'elle incarne aussi l'avenir de l'Europe pour la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle tout ce projet autour du changement, de la lutte contre le changement climatique me tient énormément à cœur dans le projet européen, aussi bien que pour l'échelle locale. Et je souhaite que Strasbourg, en tant que ville, puisse aussi inspirer le projet européen et notamment le Green New Deal tel qu'il peut être porté par l'Union européenne. Voilà, vous touchez beaucoup de choses. Mais nous vivons dans une époque qui est très difficile. La pandémie continue et à partir de la pandémie, l'Europe a développé son fonds de, je ne sais pas comment, quelle est la expression en français, mais de relance et de résilience. Alors, quelle est l'importance du rôle des villes dans la reprise post-pandémique et dans la construction de cette résilience de l'Europe? D'abord, je pense que c'est les villes qui sont en première ligne pour la gestion de cette crise, pour répondre à la question sanitaire. Hein. C'est nous qui avons mis en place ici à Strasbourg, par exemple, des centres de vaccination pour pouvoir accueillir et vacciner la population, faire des dépistages, conseiller la population. On accompagne aussi les acteurs dans le cadre de cette crise, notamment du point de vue social. Donc, on a débloqué des financements importants pour pouvoir aider les étudiants ou les jeunes en difficulté, les ménages en situation de précarité, les acteurs culturels ou alors encore le monde économique qui a été frappé par cette crise. Donc, on est en première ligne pour la gestion de la crise. Mais on est aussi finalement en première ligne dans la transformation de la société à travers un nouveau modèle, un modèle plus écologique, un modèle qui soit plus juste, plus solidaire et aussi un renouveau démocratique. Donc moi, je suis convaincue que les villes, et notamment les villes européennes, ont un rôle important, fondamental à jouer dans la transformation de notre société. Je travaillais en lien avec les différentes villes d'Europe et je suis en lien avec les réseaux aussi européens de villes pour porter cette voix du local, mais d'un local qui a des leviers importants, des moyens humains, des moyens financiers, des moyens de mobilisation citoyenne pour pouvoir agir. Je suis convaincue de ce lien entre le local et le global. Ambiciozni francuski predsjednik preuzeo je šestomjesečno kormilo Europske unije u jeku predizborne kampanje. Stigao je u Strasbourg gdje ga je dočekala novo izabrana predsjednica Europskog parlamenta. Što je Europa i kakva je to Europa o kojoj je u parlamentu govorio Macron? Cette Europe dont je viens de parler, notre construction européenne repose sur trois grandes promesses. Une promesse de démocratie qui est née sur notre continent, qui a été réinventée, refondée sur notre continent et revivifiée ces 70 dernières années. Une promesse de progrès partagé par tous,
et une promesse de paix. Elle a tenu ses promesses durant 7 décennies. Mais le moment que nous vivons, par le retour du tragique de l'histoire et de quelques évidences géographiques, l'ébranlement actuel que nous vivons vient bousculer ces 3 promesses. Je pense que le défi qui est le nôtre est de tâcher d'y répondre, pas simplement d'ailleurs dans les mois qui viennent, mais au fond la tâche qui est la nôtre est sans doute celle de notre génération, est de répondre en profondeur à la refondation de ces promesses. Promesse de démocratie, disais-je, et au fond, c'est notre singularité d'Européens. La fin de l'état de droit, c'est le règne de l'arbitraire. La fin de l'état de droit, c'est le signe du retour aux régimes autoritaires, au bégaiement de notre histoire. Oui, derrière tout cela, il y a un combat idéologique. Ce combat est d'ailleurs porté par plusieurs puissances autoritaires à nos frontières. Et il revient chez plusieurs de nos pays. Nous voyons cette révolution à l'œuvre qui vient saper les fondements même de notre histoire. Là où la tolérance et la civilité étaient au fond au cœur du processus de civilisation qui est le nôtre, revient une idée qui renaît au sein de nos peuples. Nous ferons donc tout pour œuvrer en ce sens et pour que par le dialogue toujours, mais sans faiblesse, nous puissions défendre, dans toutes les situations connues, la force de cet état de droit. Je le dis dans le dialogue, parce qu'il ne s'agit pas de laisser s'installer l'idée que l'état de droit serait au fond une invention de Bruxelles, dont le seul dépositaire serait Bruxelles, qui est un discours que nous entendons naître dans certaines capitales. Non, c'est le fruit de nos histoires à tous. Le combat même de révolution pour se libérer du joug des totalitarismes durant le siècle passé. L'état de droit est notre trésor. Et il s'agit partout de reconvaincre les peuples qui s'en sont éloignés. Et il s'agit partout, avec beaucoup de respect et d'esprit de dialogue, de venir convaincre à nouveau. U Francuskoj, zemlji poznatoj po uličnom izražavanju nezadovoljstva zbog covid mjera, na ulice među ostalim izlaze učitelji. Što ih smeta? La question du protocole sanitaire, c'est la pointe de l'iceberg. Certes, il y a un vrai manque de respect, un énorme problème de communication. C'est la preuve même qu'ils ne travaillent pas avec nous, en fait. On n'est pas considérés comme des partenaires pour travailler. On est des pions, quoi. C'est un peu l'impression que ça donne. Donc, cette idée de mépris. Mais le problème, il est structurel. Maintenant, plus globalement, c'est le mépris avec lequel on est traité. On n'a plus de protocole envoyé par les voies officielles. Donc on ne croit plus qu'en des messages médiatiques qui, pour nous, n'ont pas vraiment de valeur. Donc ça, c'est juste cette méthode-là qui est à remettre complètement en question là-haut. Mais ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Donc seulement, on ne s'y habitue pas, quoi. On n'arrivera jamais à s'habituer à ce genre de méthode. A na nezadovoljstvu politički kapitalizira desnica. U stalno prisutnu Marine Le Pen scenu je u predizbornoj kampanji dodatno radikalizirao novi predsjednički kandidat desnice Eric Zemmour, koji se, dok je Macron govorio u Strasburu, pojavio u Kaleo, na mjestu nekadašnjeg divljeg migrantskog naselja poznatog kao džungla. L'Europe d'Emmanuel Macron est une Europe sans corps. Une Europe sans tête et une Europe sans âme. Sans corps. Elle n'a pas de frontières. Or, ce qui n'a pas de limites, pas de bornes, pas de contenants fixes et fermes, n'existe pas. C'est une Europe théorique et, pour tout dire, fictive. Sans tête. Elle est dirigée par des élites abstraites, impersonnelles, sans la moindre légitimité aux yeux. Prema ispitivanjima javnog mnjenja, Zemmour je na 4. mjestu s 14% projiciranih glasova, nakon Macrona, konzervativne kandidatkinje Valérie Pécresse te Marine Le Pen. Kažnjen je novčanom kaznom nakon sudske presude o širenju govora mržnje, a svuda gdje se pojavi izaziva prosvjede i žestoke reakcije. Bah, parce qu'on trouvait que c'était important de pas laisser la parole uniquement à Zemmour qui veut faire croire que Calais c'est un bastion de l'extrême droite alors qu'en fait nous on se bat pour que ce soit la plupart des Calaisiens aimeraient que ce soit une ville accueillante et on en marre de la politique de militarisation de la frontière
qui est la même politique menée depuis 30 ans et qui en fait amène à une impasse. Donc en fait, ce qu'ils proposent, c'est juste une surenchère dans cette violence, cette militarisation. Il faut arrêter de dire que c'est la faute des étrangers, de on ne sait pas qui. Ici, les personnes, elles vivent dans des campements, dans la boue. Elles manquent d'accès à l'eau, à la nourriture. Elles se noient dans des bateaux. Elles vivent tous les jours dans la boue. Il y a des personnes qui essayent de leur porter secours et qui sont stigmatisées. Et vraiment, c'est indécent de venir aujourd'hui faire sa communication sur toute cette situation humanitaire qui est catastrophique. Francuska sekularnost s jedne te izazovi današnjice s druge strane stavljaju državu na kušnju već godinama. Vos racines sont arméniens. J'ai lu que votre partenaire est allemand. Vous avez un cabinet qui est très diversifié. Alors, l'importance de l'inclusion et de la diversité dans l'Europe d'aujourd'hui est l'inclusion sociale et de la lutte contre les inégalités. Oui, cette dimension inclusive, elle est présente dans tout mon projet. Elle était aussi présente dans le renouveau de l'équipe municipale, c'est-à-dire d'avoir des élus aux responsabilités qui représentent, qui sont à l'image de la société diverse que nous représentons. Et c'est vrai que jusque-là, la politique restait réservée à souvent des personnes assez âgées, souvent des hommes, souvent des personnes issues de classes plus aisées, de classes sociales plus aisées. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir des responsables politiques qui sont davantage à l'image de la société, donc avec aussi plus de jeunes, plus de femmes, plus de parcours divers, plus de cultures, des profils aussi professionnels différents. Voilà, et que tous ces regards puissent venir revivifier, redonner du souffle à la politique. Et je crois que le lien de confiance qui s'est un peu délité ces dernières années entre les citoyens et les responsables politiques, c'était aussi du fait que les citoyens ont du mal à se reconnaître dans leurs responsables politiques. Donc là, à Strasbourg, on a participé de ce renouveau démocratique qu'on peut voir aussi dans d'autres villes, en France ou en Europe, et qui est essentiel si ensuite on veut avoir des politiques publiques et des projets qui sont également inclusifs. C'est-à-dire, c'est sûr, en tant que jeune femme, avec, vous l'avez dit, des origines arméniennes, un parcours européen, je vais apporter, bien sûr, des dimensions supplémentaires dans les politiques publiques du fait de mon parcours. Et tous les membres de mon équipe, c'est la même chose. Et plus on s'enrichit de ces regards différents, et plus les politiques sont concrètes et vont avoir de l'impact. Vous avez dit ça, mais vous étiez candidat à mairie sur la plateforme qui promouvait la participation citoyenne. Et cette année, nous attendons les conclusions de la conférence sur l'avenir d'Europe. Et cette importance de la participation civique citoyenne pour notre avenir, quel type de la participation? Comment faire face à la déception des citoyens vis-à-vis de la politique? Déjà, en ayant de nouveaux responsables politiques, en réexpliquant l'importance aussi d'aller voter. Nous, à Strasbourg, on essaye aussi d'avoir une politique qui va pouvoir toucher l'ensemble des quartiers de la ville, y compris les quartiers les plus populaires, ceux qui en ont le plus besoin, dans lesquels il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de commerce. Et donc, il y a une sorte de désespérance parce que les citoyens ont l'impression qu'ils sont abandonnés au pouvoir public. Donc, on va investir prioritairement dans ces quartiers, sur ces territoires qui en ont le plus besoin. Et après, puisque vous parliez de la conférence sur l'avenir de l'Europe, Strasbourg accueille et participe aussi activement à cette conférence sur l'avenir de l'Europe. On essaye justement de faire en sorte que les citoyens et citoyennes des 27 États membres et au-delà puissent s'impliquer autour de cet avenir de l'Europe, puissent donner leur avis sur la plateforme de la participation. Évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que
les propositions qui vont être faites par les citoyens vont être prises en compte ensuite et vont réellement infléchir les politiques européennes. Donc ça, c'est la question majeure et je pense qu'il est essentiel qu'on continue d'entendre et de faire participer les citoyens à ces politiques européennes, de leur dire que l'Europe, ce n'est pas seulement des institutions bureaucratiques qui sont éloignées d'eux, mais c'est bien leur quotidien et ça a un impact très fort sur la vie quotidienne. Donc c'est important que les citoyens continuent de s'emparer de ces questions d'Europe. Kroz dijalog s građanima nakon pobune žutih prsluka, Macron je donekle pacificirao javnost, no stranka zelenih koja je poharala lokalne i regionalne izbore u Francuskoj, sada je borbu za nacionalne izbore prenijela i u arenu Europskog parlamenta, gdje se u ime Europskih zelenih na Macrona obrušio zeleni predsjednički kandidat Yannick Jadot. Vous suivez, monsieur le président, une autre voie. Celle d'une alliance climaticide avec la Pologne et la Hongrie. Vous promouvez le gaz pour sauver un nucléaire condamné à la faillite. Et vous sacrifiez, ce faisant, l'ambition climatique de l'Europe. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Parce qu'au fond, vous êtes un climato-arrangeant. Vous préférez signer des armistices avec les lobbies plutôt que de mener la guerre contre le dérèglement climatique. Vous préférez procrastiner, tel Mary Streep dans le film Don't Look Up. Reporter, renoncer, fantasmer sur des solutions dans 10, 15 ou 20 ans. Plutôt que de décréter, comme nous voulons le faire, la mobilisation générale. La France préside l'Union européenne. Alors, cette semaine, vous êtes au Parlement européen pour la commémoration de David de Sassoli et le discours du président Macron. Alors, quel est le message de Strasbourg pour l'Europe, l'une des capitales européennes à un moment? Bien sûr, je souhaite, comme je l'ai dit, que le projet européen qui avance, c'est bien cette Europe du climat et de la justice sociale. Donc, j'attends de la présidence française qu'elle pousse ces questions de manière ambitieuse. J'ai des désaccords avec Emmanuel Macron, hein, qui pousse l'énergie nucléaire, par exemple, alors que je pense que la priorité doit aller aux énergies renouvelables. Et donc, je suis évidemment en désaccord sur certains sujets. Je pense que la France doit être intransigeante sur les questions d'état de droit et de défense des droits humains et des libertés fondamentales et de la démocratie européenne, donc très offensive et forte sur les valeurs du projet européen. Et puis, bien sûr, j'espère que ça permettra aussi de conforter, cette présidence française permettra de conforter Strasbourg comme capitale européenne et siège du Parlement européen. Beaucoup de gens ne savent pas que la Marseillaise est née à Strasbourg. Alors, quand on parle de liberté, égalité, fraternité, sait-on encore ce que signifient ces mots? Oui, vous avez raison. Je crois que la belle devise républicaine, mais aussi tous ceux qui font les valeurs de l'Europe, c'est tout cela que symbolise Strasbourg, et je souhaite que ça continue d'être le cas à l'avenir. Pour moi, c'est toujours un peu étonnant de voir qu'on parle beaucoup de la défense des droits humains et qu'ensuite il y a beaucoup d'émotions autour de l'accueil des migrants ou des réfugiés. Et je souhaite que la politique européenne soit cohérente, c'est-à-dire quand on promeut les droits humains, les droits de l'homme, c'est important qu'on respecte la dignité des personnes. Et c'est la raison pour laquelle j'espère que cette présidence française sera aussi à la hauteur de ses valeurs et de la devise républicaine et notamment de la fraternité qui figure dans la devise française.
Europa ipak i dalje svijetli. Rađa se. Ponovno je trebaju mladi koji ne poznaju svijet bez nje. Jedna od njih je, sjetit ćete se iz naše prve epizode, i Mateja Lisak, Zagrepčanka koja je početkom mjeseca u Varšavi zaključila građanski panel o klimi i zdravlju u sklopu konferencije o budućnosti Europe. Kakvi su je dojmovi? Moja očekivanja su ispunjena sva. Mislim da je posao koji smo napravili sjajan, posebno zato što mene osobno zanimaju teme mentalnog zdravlja, zdravstva, zaštite i tako dalje. Pa mislim da prijedlozi koji su dati će doći do izražaja i mislim da će na kraju biti usvojeni. Jako sam sretna što sam ovdje, zato što mogu aktivno sudjelovati u nekoj promjeni i mogu aktivno nešto raditi. I mislim da je jako bitno da se druge ljude uključi u to, da svi zajedno brainstormamo i dođemo do nekih ideja i da sami stvaramo svoju budućnost umjesto da čekamo nekog drugog. A sam stvarati svoju budućnost znači biti svjestan i odgovoran. Jer vremena su teška, lažnih proroka je puno. A kada je tako, uvijek moramo na pameti imati orijentire i podsjetnike iz prošlosti i razumijevati sadašnjost kako ovo ne bi opet postala Europa i kako to nikada više ne bi mogla postati naša budućnost.